Maintenant, c'est quoi un rhéostat? Un rhéostat, c'est un appareil qui est utilisé aussi pour vérifier la relation trouvée par an. Donc, la caractéristique intensité-tension, c'est-à-dire la variation de la tension en fonction de l'intensité d'un conducteur ohmique, peut être déterminée aussi en utilisant un rhéostat au lieu d'un générateur de tension variée. Donc, vous savez que dans l'expérience montrée avant, on a changé la tension et on a vu comment l'intensité change. Maintenant, à la place de changer la tension, on a utilisé une pile qui a une tension bien déterminée, mais on a utilisé un rhéostat. C'est quoi un rhéostat donc? Un rhéostat, c'est un, ou bien il s'appelle aussi potentiomètre, il a la forme suivante. Donc, c'est un conducteur ohmique de résistance variable. Donc, on peut changer la résistance en utilisant un rhéostat. On a dit avant que chaque conducteur ohmique a une résistance bien déterminée, mais le rhéostat là, lorsqu'on utilise un rhéostat, on peut changer la résistance. Il est utilisé pour régler l'intensité du courant quand il est placé en série dans ce circuit, puisque la résistance et l'intensité de courant sont en relation selon d'après Ohm. Alors, il possède trois bornes, A, B et C. Voici les trois bornes, A, B et C, et on a le curseur. Ce curseur-là, en le déplaçant, on peut changer la résistance, puisque la résistance dépend, voici, il y a des spires d'un fil métallique qui sont enroulés. Donc, la résistance dépend de le nombre de spires pris entre A et le curseur. Donc, plus le nombre de spires est grand, puis plus la résistance est grande. On va regarder ou bien assister à une petite expérience pour montrer comment ça change. Regardez ici. Voilà, dans cette expérience, on a utilisé une pile, un rhéostat et un ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant. On va déplacer maintenant le curseur. Vous voyez, le nombre de spires augmente et la résistance augmente, mais l'intensité de courant diminue. Si on diminue maintenant le nombre de spires entre A et entre le curseur, donc si vous voyez, on va diminuer là, on va déplacer le curseur, la résistance diminue, alors l'intensité de courant augmente, alors la résistance et l'intensité du courant sont inversement proportionnelles. Maintenant, donc on a vu qu'on peut réaliser deux expériences, ou bien on peut varier la tension qui est donnée par un générateur, ou bien on peut utiliser le rhéostat, mais dans les deux cas, on peut vérifier la loi d'Ohm. Mais est-ce qu'on peut mesurer directement la résistance d'un conducteur ohmique? Oui, bien sûr, on peut utiliser un appareil électrique, c'est un multimètre qui fonctionne comme ohmmètre seulement en utilisant le mode Ohm. Donc on peut utiliser le mode ampère, le mode tension et on peut utiliser le mode ohm. Donc dans ce cas-là, on peut mesurer directement la résistance au niveau d'un conducteur ohmique. Alors donc c'est un ohmmètre, il sert à mesurer la résistance d'un conducteur ohmique et l'unité de la résistance dans le système international est l'ohm, qui est représenté par oméga. Maintenant, il y a bien sûr d'autres unités de la résistance, 1 kilo ohm qui est égal à 10 puissance 3 ohm et on a le 1 méga ohm qui est égal à 10 puissance 6 ohm. Alors, les